What's up les amis, j'espère que vous allez bien, se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le nouveau mini-jeu de Hypixel. Ça s'appelle Skywars, donc voilà. Si vous savez pas c'est quoi des Skywars, les amis, c'est très simple, c'est des mini-jeux en fond, c'est des îles volantes et vous avez plusieurs coffres et vous devez récupérer les coffres pour essayer de battre vos trucs, battre vos adversaires, excusez-moi. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo. Est-ce que c'est Iguina que je viens de voir là? Ah non, je pensais que j'avais vu Iguina, c'était un joueur de mon serveur, bref. Vous pouvez les faire en équipe, en team ou en mode insane, ça veut dire très dur, et mode normal. Vous, on va juste prendre ça vu que moi j'en ai besoin de tout ça, voilà. Juste avant par exemple, vous devez savoir que, bon je vais vous expliquer un peu le mode de jeu. Donc on va jouer une partie, vous allez gagner des points à la fin de la partie. Donc vous pouvez vous sélectionner des kits, donc je vais vous montrer comment gagner les kits. Moi j'ai ça comme kit. En gros, vous avez spawn dans des maps différentes, à chaque fois c'est des maps différentes, vous avez des blocs, des cannes à pêche, un peu de tout, et vous avez plusieurs items. Pour l'instant, on n'a pas quelque chose de très très bon, peut-être ça que c'est meilleur que le... Sharpness 1, c'est meilleur qu'en fer, je crois, je suis pas certain, je pense pas, bref, c'est pas grave. On va vite faire rusher à côté, parce qu'on est des gros bâtards. Donc pendant que le gars il nous a pas vu, nous on va le rush. Comme celui où il nous a pas vu, on va le backstab. On a un armure complète. Ça, c'est quand même pas si pire. Là, on est quand même bien stuff. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rusher l'autre gars qui est là. Donc voilà, un autre kill. On a un truc en fer et un truc en gold, comme j'ai pu voir ici. Donc on va changer comme ça. Oh putain, ça va être vraiment notre ennemi. Oh, le plus difficile à battre, celui-ci. Là, on a quand même de la TNT. Il faudrait juste trouver quelque chose pour... le faire exploser, on a une hache en pierre. Le gars était kit enchanteur, donc c'est quand même assez hard. Là il y a un gars là-bas qui essaie de venir vers nous, on va faire genre qu'on l'a pas vu. On va essayer de rush le mid après, on va directement rush le mid tiens. Il y a des bons trucs au mid, donc si on rush le mid directement ça va nous assurer la victoire. Donc rushons le mid tout de suite, tiens. Donc voilà, pourquoi ça nous assure la victoire? Parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans les coffres. Voilà ce qu'il y a dans les coffres, donc plutôt des trucs badass. Donc comme vous pouvez voir, Fire Aspect 1. Esti c'est bon ça. Lui est encore dans son île sous terre. Ça c'est bon. Ça c'est très bon même. Très bon encore. Très bon putain. Allez. En dessous je crois qu'il y a des coffres aussi. Je suis pas certain. Oui, il y a une table d'enchant plus des coffres. Donc bouteille d'enchant. Bouteille d'enchant j'imagine. Avec pioche, pantalon P4. On va prendre ça. Let's go. On va juste sa stuff. Donc P4. Projectile P2 c'est mieux. Fire Protection c'est mieux. Beaucoup mieux même. Efficacité 1, c'est pas très bof. Ça, c'est pas si pire. Ça, le seau d'eau, c'est toujours pratique. Un power 1, toujours pratique aussi. Par exemple, on n'a pas de flèches, donc on va prendre les flèches qu'il y a là. Briquet, ça peut toujours être utile. On va s'enchanter l'épée. Sharpness 1, on peut pas trop tard. On va essayer d'aller faire des kills. Mais en gros, voilà, c'est ça un peu le mode de jeu. Vous avez des heals et puis tout et tout. Donc, on a ce gars-là. On va essayer de le combo rambo. Essayer de mettre un point. Ah, on a eu un autre gars. Donc super, il était quand même bien stuff celui-là. Il avait Sharpness 1. On va essayer de fusionner dans son enclume de PD. Pour que ça... Oh, ben on a gagné. Le gars, il s'est suicidé. Donc voilà. On a terminé la partie. Donc on a gagné 525 points. On a terminé avec le plus de kills. Et on a terminé quand même très bien. Une très bonne partie. Et là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait qu'on a des points ici sur le côté. Comme vous pouvez voir. Et ensuite, vous allez ici, dans le shop. Vous allez sur Souls, quelque chose en bas, et vous achetez des trucs. Et ensuite, vous pouvez les dépenser dans cette machine qui s'appelle la machine à Souls. Donc après, vous avez 10 Souls pour ouvrir ça. Donc voilà, c'est ici que vous gagnez vos kits dans le fond. Il n'y a rien de pay-to-win ou quoi que ce soit. C'est vraiment des coins que vous allez gagner, des kits, des cages, plein de trucs que vous allez gagner. Donc nous, on a gagné... Ah, medium bag of coins. On a gagné 200 coins. Donc on avait dépensé 900, on en a gagné 200. Bof. C'est pas, c'est plutôt perdant. Ensuite, vous avez le mode Insane. Donc celui-là, il est un peu plus difficile. On va voter pour W vu qu'on est VIP. On a plus de trucs en commençant, ça c'est cool. On a du stuff diamant, direct un arc. Ça c'est comme les coffres dans le milieu que vous avez vu tantôt, les amis. C'est exactement ça en fait, c'est les coffres que vous avez vu au milieu. Donc je pense qu'on va se faire rush assez rapidement. Vu que c'est une map assez petite, malgré que, bof, peut-être pas. Le gars il est déjà en train de venir vers nous. Il s'est suicidé, putain. Quel beau gosse. Merci pour le free suicide boy. On va essayer d'aller par là. Vite fait.
Oh non, le bâtard. Ah, putain, j'ai pas réussi. Bon, mais il m'a fait tomber. Donc, vous pouvez voir, c'est un mode un peu plus difficile. Beaucoup plus difficile même, parce que ouais, vous commencez tous en step diamant. Donc, voilà. On va retourner au lobby. Vous avez en team, j'aurais aimé ça vous le présenter, mais bon. Je peux pas vraiment parce que Blackbird, c'est un peu un putain de gros flemmard, donc il est pas là. Vous, en gros, quand vous êtes VIP, vous avez un truc ici. Et vous pouvez voter soit pour TNT Reign, des double vies. Donc moi, je vote toujours pour double vie. Je trouve que c'est plus intéressant quand les joueurs ont deux lignes de vie. C'est plus dur et plus long à survivre. Comme vous pouvez voir, c'est plein de maps variées. Là, il y a un coffre juste là. On va essayer de récupérer le coffre au vol. Donc voilà, ça c'est pas mal. Comme ça. Comme ça, oh oui, putain de coffre qu'on a eu là. Par exemple, on n'a pas d'épée. Ah, peut-être j'espère qu'une épée là, oui, super. Une épée bloc. Donc on va vite faire ce stuff parce que les gens ils viennent vite sur nous dans ce mode de jeu là. Ils essaient de faire les kills les plus rapidement possible, donc il faut les comprendre. Les F et les blocs. Voilà, on va vite fait essayer de rush quelqu'un. Le gars par là. Il a rushé de l'autre côté, nous on va le backstab. Donc voilà, il faut faire attention quand même. What? Il m'a pas vu venir lui. C'est dommage. Parce qu'il y avait quand même des bonnes chances de gagner. Donc lui on va essayer de le knock en bas. Voilà, on le knock en bas. On a mais quoi? Ça. Plus ça. Super. On va essayer d'aller de ce côté-là, tuer le gars qui est au bord. Donc, voilà. Vous voyez, c'est un peu plus insane. En gros, c'est plus difficile comme mode de jeu. Trop haut. Putain, fait chier, ça. On va essayer de se rendre à lui. Mais bon. Là, c'est super en mode insane. À ce point-là, il faudrait presque aller au milieu. Mais bon. On est des thugs. Donc, voilà, on va pas au milieu de nous. Putain, je me suis splash ça pour rien. J'ai même plus de flèches. C'est la grosse merde. Donc on va essayer d'aller avec les F. Oh shit. Ça fait mal tout ça. Tout ça, ça fait mal. On n'a pas de bouffe. On a deux cœurs en moins. On a une flèche. Deux flèches. Putain mec, je vais mourir à cause d'un esti de fils de pute avec l'arc. Bon ben on va juste attendre, hein, j'ai envie de vous dire. On va juste attendre. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, mais bon. On va faire un piège. Un piège. Ça nous prendrait de la bouffe. Ah tiens, il m'a laissé des snowballs. Mais quel gentil homme. Oh yes. Le gars il nous a pas vu les amis. Je vais appuyer, ok, j'attends en bas de la en bas ici, bas les couilles. Hop là. Oh putain. Oh putain, est-ce le fils de pute. Ah oh, le fils de pute. Ça c'est le genre de typique fils de pute numéro 500. Donc voilà. On se retrouve dans le fond après. Là après vous retournez au lobby, puis vous regagnez des points, vous rachetez des trucs, et puis voilà. Donc là on n'a pas assez de souls, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'en transformer quelques-uns, on peut pas, on a pas assez. On va essayer d'en transformer ça comme ça, on en a 8, il nous en manque 2, donc bon. Bref, on y retourne pour une dernière partie mes copains. On va y aller en mode solo, on avait gagné en solo et je suis pas très bon en mode hardcore. Je suis souvent des parties de 10 à 12, c'est vraiment des petites parties. C'est un des mini-jeux qui joue le plus vite. Vous pouvez faire des milliers de parties dans les max de coins. C'est quand même assez cool, moi je trouve, personnellement. Bon, après, c'est un avis personnel, hein. Comme à chaque fois, les amis, sur toutes mes vidéos, c'est tout le temps des avis personnels. Donc voilà. Je sais pas qu'il y en a qui commencent à dire, ouais, c'est-tu vendu et tout. Et je n'ai pas été payé pour aucune vidéo là sur Hypixel. Donc voilà. C'est vraiment mon avis personnel sur ce. Et puis voilà. Si ça vous fait pas votre plaisir, ben allez vous faire enculer. On va directement rusher le mid, j'ai envie de te dire.
Parce que YOLO. Oh putain, on avait eu deux fois les blocs. Oh nique ta mère le fils de pute. On avait réussi à poser les blocs par terre. Oh là 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 là. Bref les amis, c'est pas grave, j'ai vu quitter là-dessus, j'ai pas fait de kill, donc je peux quitter la partie, j'aurai aucun point de toute façon. Donc voilà les amis, je vous aime du plus profond de mon cœur. Passez une très très belle soirée, belle journée, peu importe à quelle heure vous écoutez cette vidéo-là. Je vous aime, c'était Icon, le Pikachu de l'internet. Allez, salut. What? Icon, 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 Icon,